J'ai toujours voulu partir au Japon avec lui, voir le mont Fuji, les cerisiers en fleurs, avec lui. Car voir quelque chose sans mon mari, c'était inimaginable pour moi. C'était comme si en réalité je n'avais rien vu. Comment pourrais-je vivre sans lui ? Voici la scintigraphie de votre mari. Nous voulions d'abord en parler avec vous et vous laisser décider si votre mari pourrait affronter un tel diagnostic. Chacun réagit à sa façon. Étant donné que le déroulement de la maladie est différent pour chaque patient, il se peut que votre mari ne ressente encore aucun symptôme. Vous devriez peut-être envisager de réaliser ensemble un projet qui vous est cher. Un voyage ou une nouvelle aventure. Mon mari n'aime pas les aventures. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est que rien ne change. Jamais. Rien. Absolument rien. Tous les jours, il prend le train de 7h28 pour se rendre à Weilheim. Il n'était qu'un simple employé. À présent, il est le directeur général du retraitement des déchets. En 20 ans, il n'a été malade qu'une semaine, en 1991. Une grippe, avec une inflammation des oreilles. À 13h pile, il mange le sandwich que je lui ai préparé le matin même, ainsi que sa pomme. An apple a day keeps the doctor away, dit-il tous les matins. An apple a day keeps the doctor away. La journée a été bonne? Oh, oui. Et la tienne? Oui. Mais t'es déjà rentré? Mmh. Oh. Mmh.
Laissez votre message après le bip. Merci bien. Oui, Carl, ici c'est maman. Je voulais... C'est... Non, tout va bien. Je te rappellerai, Carly. Veux-tu qu'on aille voir les enfants à Berlin? À Berlin? Oh, je sais pas. Et si on allait enfin au Japon? Le Fuji est au bout du monde et ça n'est qu'une montagne. Oui, mais on rendrait visite à Karl. Si c'est lui qui vient, ce sera moins cher. Oh, Rudy. On se promène encore un peu? Non. Non, j'ai faim, moi. Je vous dis, ça fait à peine 5 minutes qu'on est parti. Un apple a day keeps the doctor away. Tu la veux? Non, pas moi. Je la mangerai plus tard. Non, tu te rends compte, à Hanau, le train ne s'arrête que 2 minutes. Il ne va pas falloir perdre de temps pour descendre. Chercher sur le quai. Oui. Quelle heure il est? T'as ta montre? C'est bon, je ne donne pas plus de 5 minutes. Et puis on prendra un taxi ou autre chose. Léon, hé! Ça! Oui, enfin, où étiez-vous? Ah, te quoi, voilà. Quoi, où on était? J'ai attendu, où t'étais? Je suis arrivé, hein? Voir 11. J'étais en avance, j'ai arrivé à voir 11. T'as pas vu? Bonjour, maman. Hein? Restez sur le quai, on a attendu 20 bon. Minutes. Ah, bah, moi aussi, je vous ai attendu 20 minutes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse ça. Non, je vais la porter. Laisse-moi porter ta valise, papa. Là, tout droit, maman. Maman, passe sur les plates-bandes. Oh! Maman, tu pourrais faire attention. Salut, c'est nous. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour, Emma. Bonjour. Allez, entrez, venez. Bonjour, Emma. Bonjour. Robert, Céline, on fait un petit bisou. Et toi? Bon, Robert. Vous voulez vous asseoir? On va manger les gâteaux que j'ai faits. Achetez. Oh non! Servez-vous. Merci. Merci. Maman! Game Boy ou gâteau? Donne-lui, Emma. Qui veut du café? Pour moi, pas de café, mais je prends de bien une bière. Non, laisse. Ok. Excusez-nous pour cette invasion, mais maman a eu l'irrésistible envie de venir tous vous voir les uns après les autres. Et aussi Karl? Ça, c'est génial. Et non, pas Karl, malheureusement. Pourquoi pas? Ce serait bien. Ben oui, peut-être l'année prochaine.
quand je serai à la retraite. Enfin, vous aurez le temps. Ça va? Ça va. J'avais les travers. Tu veux ça va, je te dis, j'avais les travers. Voilà, ça va. Hé, hey, où t'es déplacé? Excuse-moi. Salut. Combien de temps il reste? Ils ont rien dit encore. Mais moi, j'ai absolument pas le temps. Tu crois qu'on a le temps, nous? Bonjour. Rudy, tout à l'heure. Mais il faut les mettre au frigo. Papa, ça fait 6 ans que je suis végétarienne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de saucisses blanches? Donne-les-nous. Nous, on aime bien ça. Mais il fallait pas les manger au repas de midi pour qu'elles soient encore bonnes. Ah non, ça peut attendre le dîner. Bon, alors, ce soir, on mange des saucisses blanches. Ma petite chérie, on va te priver de ta chambre. Oh, pas grave, c'est OK. Ça, pas vrai? C'est vrai. Merci. Et voilà les saucisses grillées. Merci. Demain, vous voulez faire un petit tour en ville? Si vous avez envie, je vous emmène. Hein? Un petit circuit touristique? Oh oui. Et puis on passera te voir chez toi boire un café. C'est ça? Volontiers. Oui, mais maman voulait aller voir un spectacle de danse. Oh mon Dieu, il faut qu'on vienne. Il y a un danseur de buto très célèbre au Japon qui est ici à Berlin. Buto, qu'est-ce que ça veut dire? Une danse particulière de la culture japonaise. T'as encore une bière? Pour moi aussi, s'il te plaît. Mais je suis pas vraiment obligée d'y aller. Mais si. On peut trouver quelque chose qui plaise à tout le monde. On sera très contents de t'accompagner. Oh oh. Oh là là. Maman? Si, allez, vas-y. Je t'en prie. Dis-le nous, maman. Allez, maman, la journée d'une mouche, s'il te plaît, maman. Allez, maman, la journée d'une mouche. Non, arrête. Que veux-tu faire, la moyer? Cruelle, sais-tu bien ce que tu fais? Un seul jour lui a été donné en partage. Un jour de souffrance, un jour de joie. Oh, laisse-la vivre, laisse-la planer jusqu'à ce que son heure résonne. Le ciel pour la vie d'un jour et son paradis pour le vol d'un soir. C'est ça, maman? Dis-moi. Allez, arrête. Attention, ça va être automatique. Dans l'appareil, il y a le petit poisson. Allez, viens. Hey, ça y est, ça clignote. Oui, viens, viens. Oui, je te mets derrière. Tu vas voir ça. Pardon. Tu y es? Fais sourire. Tous, Lisette. Papa, souris aussi. Oui, ben quoi, excuse-moi, j'arrête pas de sourire. Ça fait rien du tout. Viens là. Voilà. Céline, tu veux pas enlever tes lunettes? Je vais être incognito dans la famille. Ouais, c'est ça. Tes lunettes, Céline. Attention, allez, attention. Bouge. Formidable, il faut toujours bien regarder. Prêt? Oh, la coquine qui veut pas enlever ses lunettes de star. Oui. Ah, c'est merveilleux, tu fais ça drôlement bien, Dieu. Vas-y, continue, petit massage. T'es une super masseuse, c'est moi qui te le dis. Où est-ce que t'as appris ça, hein? Je sais pas vraiment, ça vient de moi, c'est tout. Ça vient de toi. maintenant j'en ai assez. Eh ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Oh, c'était super. Ah, quel merveilleux massage. Tu vois, il va nettement mieux.
J'ai complètement oublié d'en offrir à vos parents. C'est Karl qui nous les envoie. À moi aussi. Mais les miennes, j'y touche pas. Je préfère manger les vôtres. Très aimable. Qu'est-ce que c'est bon. Oh non, j'avais oublié. Demain, toute la journée, je suis en réunion. Mon Dieu, Klaus, c'est pas vrai ce que t'es con, merde. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ma parole, vous, les politiques, vous savez rien faire d'autre que vous réunir. T'as dit que tu leur faisais visiter la ville. Excusez-moi, mais ça m'est complètement sorti de la tête. Et moi, j'ai pas le temps. Non, chez moi, ils vont venir prendre le café, bouffer des gâteaux, ça suffit. Mais nous, on les héberge. Oh, dire qu'ils m'énervent déjà. Caro, ils viennent juste d'arriver. Oui, oui, et je m'en veux, je me déteste pour ça, mais ils me rendent dingue. En un tournement, ils arrivent à me foutre en boule, je sais pas. Et moi, en plus, j'ai assassiné une pauvre mouche. C'était atroce, c'était grave. Oui, je sais, merci pour ton soutien, mon amour. Oh, c'était terrible. Ouais, la journée d'une mouche. Et l'unique chose qui l'intéresse, c'est son Karl. Hein? Je viens de dire que la seule chose qui l'intéresse, c'est son Karl. Ça a toujours été comme ça. Ce que moi, je fais, c'est rien. Ça compte pour des prunes. D'accord, et moi, ce que je fais? Hein? Karl, oh Carly, mais regarde un peu notre Carly. Oh oui, tu as vu ce qu'il a fait, oh, comme il joue bien. Comme il fait tout bien, quel enfant. Merveilleux, Klaus, m'attends de là, tu veux? Tu te souviens? Caro, Caro, Klaus, laissez-le, laissez-le, Carly. C'est joli. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à m'endormir. Ma chérie, c'est pas pour longtemps, d'accord? Et je veux retrouver ma chambre. Oui, ma puce, je sais. Ils vont pas rester longtemps, je t'assure. Combien de temps? Éternellement. T'es fatiguée? Non, en fait, non. Moi non plus. Allez. Ils vont bien, ça fait plaisir. Ouais. C'est bizarre. J'arrive très bien à me souvenir de mes enfants quand ils étaient petits. Mais adultes, ils sont comme des étrangers. Tu es déçu par tes enfants? Non, je les reconnais plus, c'est tout. Oui, ils sont tous en bonne santé. On peut pas leur en demander plus. Il reste? Aucune idée. Il faut quand même que tu t'occupes d'eux. Oui, mais comment? J'ai absolument pas le temps. J'aime bien tes parents. J'aimerais bien avoir des parents comme ça. Ouais, tu les connais pas vraiment. Tu veux qu'on prenne des billets pour le Friedrichstadt Palast? Ma mère déteste les ballets. Qu'est-ce qu'elle a vieilli tout à coup? C'est fou. C'est curieux comme les gens peuvent changer. Je me demande bien comment on sera. J'en sais rien. Nous, on vieillira jamais. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? J'ai pas le temps de m'occuper d'eux, moi. Aucune idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux, hein? Non, 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 non. Non, prie, Francie. C'est pas la peine de ronronner comme un chaton. C'est non, j'ai vraiment pas le temps. Il faut que je me pointe au rembourrage, Caro. Non, non, et puis ensuite à l'atelier. Non, non, non. 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 S'il te plaît.
Non. S'il te plaît. Attends, bouge pas. Ça chatouille. Allez, tout fini. Là. Voilà, c'est fini. Vous venez? Elle est là. Bon, et maintenant, je vais vous montrer l'appartement avec Caro. Regardez, c'est là qu'on a habité avec Caro, au troisième étage. Tout de suite au-dessus du café. C'était très pratique. Assez classe. Mais c'était pas très moderne. Il fallait se chauffer au charbon. Ah, putain, oui. Oui, c'est bon. Je m'excuse. Oui, ça va, je vais t'en coller une, abruti. À gauche, c'est la synagogue. Avec sa jolie coupole dorée au soleil. Et tout droit, vous voyez la superbe tour de la télévision. Ah ben dites donc, vous en avez dépensé des sous, un petit bon gâteau. Chez nous, on n'achetait jamais des gâteaux chez le pâtissier. Hein, maman? Merci pour la visite, Francie. Une belle balade qu'on a faite en ville. Merci bien. Oui, merci. Ça vous a bien plu? Oh oui, beaucoup, oui. Ça, c'est de la bonne bière. Je bois quasiment plus de bière. Oui, Dieu soit loué. Et Carly, est-ce qu'il boit encore? Comment tu veux que je le sache? D'ailleurs, Carly n'a jamais beaucoup bu. Oh, si. Carly buvait, je le sais, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, c'est idiot. Tu recommences. Est-ce que Carly a une petite amie à Tokyo? Maman, c'est toi qui lui téléphone, pas moi. Demande-lui la prochaine fois. Alors, Carly, tu te beurres toujours la gueule? Comment ça marche avec les femmes? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez envie de quoi? Vous devez être fatigué? Vous voulez pas rentrer vous coucher? Alors? Chérie. Mais attends, il est pas encore 6 heures. On se fait un peu de cuisine? Oh, ah. Non, Francie, tu en as suffisamment fait. Allez, on s'en va, Rudy. Bon, ben... Maman, tu veux pas qu'on vous raccompagne en voiture? Non. Francie. T'inquiète pas, on va prendre le RER. Un petit peu d'ambiance. La grande ville, c'est parfait. Pour nos hôtes venant de la province. Très bien. Faites attention à vos heures. Viens dans mes bras. Bon, alors, à demain. Demain? Ouais, on a déjà rendez-vous. Ça va, j'aime pas ça. Au revoir. Salut. C'est bien. Au revoir, maman. Un verre de vin. Oui, on va boire quelque chose. Viens. Je suis horrible, hein? Où on doit aller? Je crois que c'est... Hermannsdorf? Quoi? Berlin-Mitte. Où il se trouve ce quartier? C'est sûrement central, non? Donne-moi de l'argent. Mais quelle pièce? Oh non, le train s'en va. Non, mais c'est pas vrai, ça. Ça rentre pas là. Ça rentre absolument pas. Comment on achète des tickets ici? Attends, mets cette pièce, vas-y. Ça, mais c'est dingue, ça, on rentre en rien là-dedans. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas, peut-être qu'il faut des billets. C'est complètement fou cette histoire. Une boîte, on a lu et il n'y a aucun billet qui sort de là. Tu parles encore. Attends. Berlin AB, c'est ce que je dis. Bon, et maintenant? On va en reprendre un.
On n'a qu'un billet. On fait quoi? Alors, qui c'est qui part ses potes? Mais non, tu vois ce qu'il y a marqué, alors. C'est impossible avec un seul billet. Il n'y a jamais eu deux personnes sur le même billet. Excuse-moi, mais on n'arrive même pas à payer. Non, mais regarde-moi ça. Est-ce que je dois rentrer à pied ou toi, tu dois rentrer à pied? Ou il y en a un de nous deux qui voyage sans payer? C'est ça qui vole? Oh, t'énerve pas. Je m'énerve pas. Et pourtant, il y a de quoi s'énerver, je te jure. Qu'une envie, c'est de rentrer chez nous. Allez, Rudy. Les enfants n'ont pas le temps, tu vois. La Baltique est pas loin. Tu sais depuis combien de temps on n'a pas été voir la mer? La mer? Je m'en souviens pas, moi non plus. 87, avec les enfants. Ou alors c'était le lac de Garde. Le lac de Garde? T'aimerais aller à la mer? Oui, et toi, t'aimerais? Ah, si tu veux, absolument. Mais toi, tu veux quoi? Moi, je fais toujours ce que tu dis. Oh.
La mère non plus n'est plus ce qu'elle était. Oui. Faut toujours que tu ronchonnes. T'as pas froid? Tu sais quoi? Attends, viens près de moi. Mais qu'est-ce que... Tiens, c'est chaud, enfile ça. Demain, on va se lever tôt et on fera une grande promenade le long de la plage. Quoi? Tu veux aller te promener? C'est formidable, ça. J'aimerais qu'on disperse mes cendres dans la mer. Pourquoi tu dis ça? Comme ça? T'y penses jamais, toi? Vraiment pas? Moi, je me demande souvent combien de temps il nous reste à vivre. Rudy... Oui, oh, t'as raison. Pourquoi penser à ce genre de choses? On a eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Rudy, si tu savais qu'il nous reste peu de temps, qu'est-ce que tu aimerais faire? Oh, cette phrase, vis ce jour-ci comme si c'était ton dernier jour, c'est de la foutaise. Qu'est-ce qu'on ferait d'autre, hein? Moi, je ferais rien d'autre. Je partirais tôt le matin à mon travail et je rentrerai le soir te retrouver. Voilà ce que je ferais. Pas dormir? La mer fait trop de bruit. Et ça en plus. Oh, Rudy. C'est joli. T'es vraiment une petite fofolle, tu sais ça. Oh, mais non, attends, Trudy, viens, non. Allez, mais qu'est-ce que tu viens. Fais? Mais tu veux quoi, Trudy? Mais viens, puisque mais tu qu'est-ce peux que pas tu dormir. Fais encore? Oh. Ça rime à quoi de danser au milieu de la nuit? À cette heure-là, les gens dorment. Arrête, voyons, Trudy. Mais qu'est-ce que c'est que ces fantaisies? Qui a Rudy? T'as plus envie? T'as mal dormi? Oui. Mais toi, t'as bien dormi. Non, pas une seconde. T'as dormi profondément. Rentrons à la maison. On a vu Berlin, on a vu la Baltique, on a vu les enfants. Maintenant, rentrons. Je pensais que tu serais heureux de voir tes enfants. Je les connais pas et ils me connaissent pas. Nos enfants sont mieux que la majorité. Oui, oui, on a de la chance. Et notre plus grande chance, c'est de nous avoir, nous deux. Ça va pas? Si. J'ai mal dormi, c'est tout. Oh, dès que je me réveillais, je te voyais endormi à côté de moi.
mère est une tache d'huile sans la moindre petite vaguelette. Allez, maintenant, on sort de sa couette et on se met en route. Debout, ma paresseuse. Trudy? Trudy? On s'est pas vu depuis si longtemps et je la verrai plus. J'aurais dû venir la voir, au moins la faire venir une fois à Tokyo. J'ai jamais rien fait pour elle. Je peux plus rien faire maintenant. C'est papa qu'il faut s'occuper maintenant. Comment veux-tu que je fasse? Oui, je sais. Quand on était petit, on n'est jamais allé à la mer. Non, toujours à la montagne. On est allé en Italie? Oui, mais pas à la mer, à au lac de Garde. Papa, Grossglockner, tu te souviens? Oui, on a été malades comme des bêtes en voiture et maman avait un sac plastique pour chacun de nous. Elle était si vive autrefois. Quel âge elle avait, là? Peut-être un peu plus âgée que nous maintenant, non? C'est pour vous, ses enfants, et pour moi qu'elle a sacrifié toute sa vie. Non, c'est pas ce qu'elle aurait dit. Tu veux que je vienne? Non, non. C'est vraiment pas juste, c'est pas normal. Elle aurait jamais dû nous laisser avec lui. Je crois que c'est pas elle qui a choisi, tu vois. Oui, je sais, maman s'en serait sortie très bien toute seule, parce que là, on n'aurait pas eu besoin de se faire de soucis, mais avec lui, comment s'en sortir avec lui? Toi, Carl, tu repars quand? Désolé, mais je dois repartir vite, mon avion s'envole demain de Berlin. Moi aussi, il faut qu'on reparte tout de suite. Nous aussi, on a confié les enfants aux voisins. Qui a le petit sac? Quel petit sac? Où elle mettait ses affaires, j'aimerais prendre le kimono si tout le monde est d'accord. Mm-hmm. Elle l'avait tout le temps quand elle s'agitait dans la cuisine. Oui. Maintenant, tout est fini. On ne peut pas s'imaginer ça avant. Si j'avais su que ça se terminerait si vite, j'aurais été plus gentil avec elle.
pas. On ne peut pas savoir ces choses-là à l'avance. Merci de m'avoir encore un peu accompagné. Elle aurait sûrement été très heureuse que tu sois là, Carl. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais commencer à m'habituer. Vous faites pas de soucis pour moi. Donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Tiens. Il y aura des cafés? Pas. Un cappuccino. Merci. Excusez-moi. Mes condoléances. Merci. Vous devez être Caroline, je pense? Non, ma fille Caroline est à Berlin. Et le plus jeune vit au Japon. Ah oui. Et Klaus? Où donc est Klaus? Oh, il avait une réunion très importante. Ah oui. Mes condoléances. Mes condoléances. Mes condoléances. Le spectacle de danse japonaise à Berlin, ça a été sa plus belle soirée. Et elle m'a dit après que tu étais vraiment une très gentille fille. Oh non, je suis pas si gentille. Ça m'ennuie qu'elle ait parlé de moi comme ça. Elle m'avait raconté qu'elle aimait beaucoup la danse. Et qu'elle avait toujours voulu devenir une danseuse de buto. Qu'elle aurait aimé aller au Japon pour l'apprendre là-bas. Et puis que ça n'avait pas pu se faire et qu'elle avait quand même une belle vie. Ah ouais. Mais surtout, ne croyez pas qu'elle était malheureuse. Oui, parce que... Enfin, je veux dire... Peut-être qu'il y avait une autre femme en elle que personne n'a vue, alors que moi, je l'ai vue, c'est tout. Ça m'était... Enfin, je sais pas, c'était... Ça me mettait mal à l'aise. Je voulais pas qu'elle continue. Nous l'avons enfermée ici. Pourquoi? Elle était heureuse ici. Oui, sûrement. Je sais pas. Bon courage. Merci. Rentre bien.
au-dessus du mont Fuji. Je pensais déjà que tu m'avais oublié. Oh non, 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 je suis désolé, j'ai pas pu quitter mon travail plus tôt. Comment ça va? Ton vol, ça a été? Oui. C'est bien passé? Papa. Papa, il faut enlever ses chaussures. Ah bon? Bah oui. Attends. Tiens, voilà. Mais j'ai apporté les miennes. Ah bah oui. C'est pas très grand. Ah non. T'as peut-être soif? Non, merci, j'ai bu dans l'avion. Ah. Tiens, c'est ce que t'envoyait toujours maman. Ce pain-là, tu peux sûrement pas le trouver au Japon. Voilà, ça, c'est des saucisses blanches. Ça, c'est fait avec du bon beurre bien de chez nous. Et ça, là, c'est très nourrissant. Papa, faut que je retourne au bureau. Hein. Dis-moi, ça consiste en quoi, en fait, ton métier? J'ai jamais réussi à comprendre. C'est gentil de me demander au bout de 5 ans. Je contrôle des chiffres, comme toi, les taxes des poubelles. Finalement, je fais exactement la même chose que toi. Tiens, regarde. La radio... La clim, le câble, la télé. On se voit ce soir, ok? Je suis de retour vers 6h. Mais...
voici la deuxième strophe. Oh, laisse-la vivre, laisse-la planer jusqu'à ce que son heure résonne. Le ciel pour la vie d'un jour. Son paradis pour le vol d'un soir. Tu veux manger autre chose? Non, non, je me débrouille. Demain, on fera un truc ensemble. Ce soir, ça tombe mal, je dois repartir. Oui? Je suis vraiment désolé d'avoir si peu de temps libre, mais ton arrivée m'a un peu surpris. Mais je veux pas être un poids pour toi. Arrête, papa, t'es pas un poids. Pourquoi toi et maman, vous êtes jamais venus? On sait qu'on avait encore le temps. Je crois que j'ai enlevé à ta mère ce qui lui était le plus important. Je voudrais pouvoir réparer, mais ça pourra jamais se réparer. Pour les morts, on ne peut plus rien faire. Papa. Alors, je te donne quelques yens et je te reprends ici plus tard. Tu bouges pas de là, hein. J'ai pas envie de te perdre. Bon, ah oui, regarde. En face, c'est là que je travaille. Dans quel tour? À côté de la noire. Bon, je te reprends ici tout à l'heure. Salut, papa. Shitsureiitashimasu. Onomimono wa ikaga nasaimasu ka? Bière. Thank you. Thank you.
喋れる？日本語はわかるの？日本語か？No, I don't understand. わかんない。わかんない。でも楽しんでいてね。気持ちいい。声がっしりしてる。あ、奥さんいるんだ。結婚してるの？あ、すみません。手に入った？目痛い？どうしたの？大丈夫？まだ、いつか。すみません。おはようございます。すみません。Enfin, t'étais où, hein? T'es fou, quoi? Je me suis fait un sang d'encre. Je croyais que je te reverrais plus jamais. C'est pas vrai, ça. C'est les interphones. Je pouvais pas lire les noms sur les interphones. Mais qui t'a dit de quitter le café? Je pouvais rien lire du tout. Je t'avais dit de pas bouger de là-bas. Mais tu te rends compte comme c'est grand, Tokyo? On se perd tout de suite dans une ville pareille.5敗同士の対戦は、はい、アジア向け先木村翔太郎が合わせます。Salut, pas. Salut. Alors, comment s'est passée la journée? Oh. T'es pas sorti? Non. Je t'ai laissé le portable. Regarde. Hein? Ici. T'as une seule touche? J'ai vu, il y a même une photo de toi. Et là, c'est mon numéro de téléphone. T'as mangé? Oui. C'est pas vrai. Je comprends pas où Trudy peut être.
Où se trouve son corps? Le souvenir d'elle, je sais qu'il est là, mais quand moi aussi je serai plus là, où sera Trudy? Papa. Papa, moi aussi j'ai mal quand je pense à maman. Vraiment. Mais oh, je t'en prie, ne me dis pas que la vie continue. Pas ça. Regardez celui-là comme il est beau, hein? Celui qui est juste là. Donne-le-moi. Et voilà, this is Bavarian style. This is Bavarian style. Les cerisiers en fleurs. Il n'y a pas de plus beau symbole pour le temps qui passe. Ça arrive en pleine nuit. Pour quelques jours, il y a des fleurs. Et puis en une nuit, ça redisparaît. Impossible de les retenir. C'est mon papa. Ah, tiens, papa. Kampai! 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 Non. Non, arrête de me traiter comme un petit garçon. Allez, allez, vite, Oli, on se dépêche. Ça serait bien la première fois dans ta vie que tu me mettrais au lit. Ah, justement, toi, il y a de quoi rire. C'est pas croyable de se saouler la gueule comme ça. C'est toujours toi qu'on se fait David. Toi, toi, c'est toujours toi le centre du monde. Faut faire attention à donne-moi papa. Ton bras. Allez, donne ton bras. Votre pauvre papa. Laissez votre papa tranquille. Papa est épuisé. Papa travaille tellement. Il passe son temps le cul assis derrière son bureau. Ouais, ça va. Toute maintenant, ta hein. vie, tu t'es caché dans ton foutu bureau. Là. Tu l'as jamais connue, maman. T'as jamais su qui elle était, notre mère. Pas la moindre idée de ce qu'elle était. Vieil idiot. Eh, c'est ça, tire-toi. Retourne à tes poubelles, t'es bon qu'à ça. Trier tes ordures bien proprement. Un apple a day keeps the doctor away. Voilà. Bon, faut que j'y aille. Oui, oui. Attends, attends, j'ai fini. Oh, papa. Stop. Ta pomme. Un apple a day keeps the doctor away. À ce soir. Au revoir. Alors, voyons ça. Métal, plastique, plastique, métal, métal, papier, papier.
Mais qu'est-ce que tu fais dans le noir? Rien. Aujourd'hui, t'as fait quoi? Rien de spécial. Il faut bien que tu t'occupes, non? Mais je m'occupe. Je me souviens. Je me souviens de ta mère. Je lui montre la ville. Maman? Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un petit tour en ville? Ah oui. Mais ça ferait loin pour aller au Mont Fuji? Ah bah oui. Il y a environ 2 heures. Ah bon? Je t'y emmènerais bien, mais... Ici, les gens travaillent aussi le week-end. Toujours. Ah bon? Tu sais qu'en japonais, ah bon, ça se dit azu? Azu. Oui, je sais. Bon, écoute-moi bien. Non. Oui. Non, exceptionnellement, il n'est pas là. Il me rend complètement dingue. Il reste assis là toute la journée. Je sais pas comment l'occuper. On a déjà fait toutes les visites possibles. Je peux pas lui faire chaque jour un nouveau programme. J'ai pas de temps pour ça. Je suis désolé, mais là, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Puis il a un comportement tellement bizarre. T'es au courant qu'il a retiré tout son argent de la banque pour l'apporter ici? Oui. Et même les vêtements de maman, il les a amenés. Ouais, je te jure. Je pense qu'on devrait peut-être lui trouver une thérapie appropriée. Il reprend pas le dessus. Oui, mais moi non plus. Caro, il faut que tu le prennes en charge. Ou alors Klaus. Ah non, mais maintenant, c'est votre tour. Ça fait combien de temps que t'es là? Laisse-moi rester encore un peu de temps ici avec toi, s'il te plaît. Écoute... Tu sais que...
Excuse me. Are you a dancer? Butoh dancer? Yes. I have a question. Ask me. Butoh is dance of Chateau. Not me dance. Chateau dance. Watch. And your Chateau dance. I don't know who is the Chateau. Hello, hello. Who are you? No answer. Everybody can dance Chateau. No. Yes. Yes. Everybody can. Everybody has Chateau. Young and old, women and men, and everybody alive, and everybody dead, the same time. I dance with the dead. Who is dead? My mother. When? Yesterday, 1 year. She loved the telephone. Pink telephone. Always on the phone with family. My wife too. Match telephone. 3 children, always telephone. Now, I am on the phone with my mother all the time. She is in me. Where's your wife? I don't know. I don't know where she is. You feel the memory, the past memory, and we feel the wind, and always see the flowers, many flowers, catch the flowers, and hold, yes, hold. And you find the many Chateau inside of you. And Chateau is gone. Oh, which? Wait. And yes, hold. Catch the Chateau and feel the Chateau. Dance is better without coat. No. No. It's not me. It's my wife. What's your name? You. Not me. You. I am you. You are me? No. My name is you. What is your name? Rudy. 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 Oui. Rudy. Rudy. Just wait. Okay.
chou. Un gros chou. Du chou blanc. Cabbage. Oui. What? One, please. OK. Oui, merci. Au revoir. Oui. Bien. Ça ira. Voilà. Donc, comment elle faisait ça? Ah oui, les feuilles. Dans l'eau. Recette inventée par ta mère. Oh non, papa, j'ai encore un rendez-vous. Juste un. Merci. Là, ça fait deux. Oui. Merci. Savoure, mon garçon. Merci. D'aller justement dans le pays qu'elle voulait voir. Et elle l'a jamais vu. Il n'y a pas de mouche ici. Quoi? Des mouches? J'en ai pas encore vu une seule. C'est vrai. Now, happy? Not separate. Very good. You make? Yes, from my wife. You take le chou. I don't know the word in English. Le chou, and then you l'enrouler. Roll. You roll the chou. Roll. Now, two cabbage rolls. Where you live? Your home. Home? Yes. Oh, another direction. Et qu'est-ce que vous appelez... another direction. Not, où c'est ça? Not here. Where? Maybe you don't know. I'm okay. Oui, okay. Are you okay? I'm okay. Okay. See you. Okay. Bye. Oh. Okay. Take care. Thank you.
So much. Why? I waited. I waited so much. Much snow. Snow? 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 Where do you live? In a tent? No. Camping. Me and my wife in summer all the time, autoroute, voyage. My wife didn't like it very much. My wife, like this. Wildcat? Wildcat. Mais en cage. My mother liked this. Duck? Mm-hmm. Up and down, up and down. Happy and sad. Happy and sad. Hello, mother.
Papa, il faut que tu comprennes. Toute la journée, je bosse avec plusieurs personnes dans un bureau minuscule. J'ai besoin de calme quand je rentre et d'un peu de place. Mais c'est encore une enfant. Papa, au Japon, il n'y a personne de son âge qui vit dans la rue. Si elle y est, c'est qu'elle l'a choisi. Mais enfin, personne ne choisit de vivre comme ça. Écoute, il faut que tu me crois. Elle ne veut pas autre chose. Moi, je te reconnais plus, mon fils. Comment t'es devenu si dur? Comment c'est possible? Ok. Hello. Hello. My wife wants to go on a trip. Do you come with her? Looks like a glace à la framboise. Ice. Oui, ice, un peu comme ice of a berry. Mm. It's sweet. Sweet, yes. What if we don't see him? Him? Mr. Mount Fuji is the man? Yes. Mr. Mountain is very shy. Many clouds. Very often he don't want us to see him. Shy, very shy. I asked for her. すいません. Fuji-san ってどこにある? Fuji-san はね,
ここです。この方向。ありがとう。今日見えないね。Mountain. So I say to you, he's very shy. Right. Pas de matelas? No bed? Ah. Good bed. Cette tenue. It's too tight? No. Good. And this. Great. Oh. Nothing. Food is. Toujours rien. Chicken. Ah. Le poulet. Poulet.
Fuji. Oh. No. Yeah.
Rudy? 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 For you, you from Rudy. アンゲルマイヤー家の仕事を行います。それではモシ様よりお箸を上げてお願いします。 For everything you did for my father. I did not do anything. Your father happy now. You think so? Your father, your mother.
Mes condoléances. Mes condoléances. Mes condoléances. On est devenu orphelin en l'espace de quelques mois. C'est comme un mauvais rêve. J'imagine pas que c'est moi. C'est tellement incroyable ce que tu racontes. Je reconnais plus mon père. Il n'a pas surmonté la mort de maman. Dans un hôtel. Avec une fille de 18 ans. En vêtements de femme. C'était ceux de maman. C'est affreux. Peut-être qu'à la fin, il était heureux. Thank you.